ces gens nous ont prêté un escabeau, oui. Tout à fait devant, et gentiment je leur ai dit, écoutez, quand Mylène vient, est-ce que je peux passer entre vous deux pour tendre mon disque? Et elles m'ont dit, bien sûr, si c'est pour Mylène, pas de souci. Donc voilà, c'était très sympa. Franchement, le gang n'est pas vraiment un gang. Non, tout à fait, c'est un gang gentil. En vacances, et puis là j'ai profité, ça tombait en même temps que l'événement, et du coup je suis venu voir, voilà. Et bah c'était incroyable, ils étaient tous classe les uns comme les autres, et franchement j'ai trouvé ça exceptionnel. C'était ma première fois et j'ai adoré. Ça fait longtemps que je peux pas venir parce qu'à chaque fois j'ai cours parce que c'est en mai, donc là bah, c'est les vacances d'été, donc pour une fois j'en profite. Bah, je suis venu c'est pour voir la famille sur Fréjus. Et c'est vraiment par hasard que je suis tombé sur le festival parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se produise cette année. Bah en fait, de base, j'habite au Mans et je suis venue ici pour profiter du moment et venir pour voir tout ça. C'est compliqué avec le masque, la chaleur, tout ça. C'est vraiment compliqué, mais on tient le coup, il faut rester joyeux. On n'avait pas eu l'année dernière, donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver dans l'ambiance, même si c'est pas la même chose que mois de mai quand même. Il y a moins de paillettes, moins de choses. Il y a, bon, puis je pense qu'il y a moins d'artistes, moins d'acteurs américains aussi. Il y a plus de Français. Il y a moins de monde quand même. Hein. C'est pas comme d'habitude. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de restrictions. On est moins libre. Voilà, c'est plus. Il y a des contraintes, mais bon, quand on est passionné, on est prêt à les dépasser. Bon, je préfère qu'à Normé, je pense de loin. Là, quand j'ai su que c'était en juillet, j'ai un peu eu peur. Hein. Là, il faut vraiment tenir et il faut être courageux parce que c'est pas marrant les journées hein, comme ça. Il y a moins de monde. Je pense pas que ce soit à cause du Covid, c'est parce que c'est juillet et tous nos amis, ils n'ont pas eu leurs vacances en juillet. Il y en a pas mal qui sont venus, par contre Mylène Farmer qui ne s'est pas retournée une seule fois, donc bon, pour la photo juste sur les marches, mais rien d'autre. Vous étiez pour Mylène Farmer, c'est ça? Oui, bah oui, évidemment. Oui. Un petit peu, parce non, qu'on, on n'est pas déçus, oui, mais on l'a vu, voilà, on l'a vu, mais on pensait quand même qu'elle allait venir vers nous et qu'on voilà. Allait puis. On avait des fleurs pour elle et voilà. Et on n'a pas pu lui donner. Oui, 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 les anciens nous donnent des conseils, oui, c'est génial. C'est une vraie mafia. Oui. Mais étonnamment, on a eu la chance, je ne sais pas si c'est le Covid ou pas, que ces gens nous ont prêté un escabeau, oui. Tout à fait devant. Et gentiment, je leur ai dit, écoutez, quand Mylène vient, est-ce que je peux passer entre vous deux pour tendre mon disque? Et elles m'ont dit, bien sûr, si c'est pour Mylène, pas de souci. Donc voilà, c'est très sympa. Franchement, le gang n'est pas vraiment un gang. Non, tout à fait. C'est un gang gentil.